Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on s'apprête à aller disputer le Grand Prix de la Mer Noire, un Grand Prix qui, là aussi, hein, comme le précédent ainsi que le premier, devrait mettre en avant des pièces pour lesquelles on est particulièrement bon. L'accélération, l'aileron arrière, je crois qu'on est les meilleurs de la compète sur ces deux pièces-là, et on n'est pas dégueu du tout en moteur. On le voit, même si notre moteur commence à prendre un peu de retard, me semble-t-il. Sinon, effectivement, c'est bel et bien le cas. Alors, on n'est plus les meilleurs en aileron arrière. La Scuderia est passée devant nous. Mais le reste, franchement, on est tout à fait intéressant. On est vraiment dans une course qui, encore une fois, devrait nous permettre de faire des points et peut-être aussi un petit peu d'argent. La dernière fois, c'était quoi, troisième, hein, on a eu notre troisième place. On a eu notre million, si je ne me gourre pas. Qu'est-ce qui s'était passé déjà? À Tondela, on avait fini dans les qualifs 3ème, bon, c'était quand même limite, hein. Et là par contre on avait fini premier durant la course la course de la mer Noire. Alors dans les essais libres il semblerait qu'il pleuve a priori, et dans les qualifs il y a des chances qu'il pleuve ou qu'il pleuve un petit peu, donc on essaiera de profiter pendant les qualifs et on essaiera de voir si on peut quand même améliorer les connaissances actives des pneus secs, hein. On voit que c'est des tours qui sont pas très très longs, donc on peut peut-être y arriver, mais ça va être un petit peu limite. On verra un peu ce qu'on peut faire de ce côté-là. Pour le moment, on va s'occuper de notre équipe d'arrêt au stand. Je pense qu'il pourrait être intéressant de regarder combien de temps ils ont de contrat et de les renouveler, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises comme on l'a eu par le passé. Voilà, les contrats se renouvellent à l'appel. Voilà. Même, je crois que vraiment, il me semble que ça ne nous coûte rien de les renouveler, si je ne me gourre pas. Donc au final, peu importe, hein, si on décidait de se séparer des gars, je crois que ça ne change rien. Donc pour le moment, on va peut-être qu'on paierait plus pour virer le contrat des personnes, mais c'est pas très très important. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, éventuellement, pneus faire le plein ici. Ah, on peut mettre par exemple Hollenstein, pourquoi pas, vas-y, et puis du côté de l'embauche, 22 pneus, 22 faire le plein, ouais il est bien lui, hein. Ibi est pas mal, mais je crois qu'on avait déjà remarqué, c'est juste qu'on n'a vraiment personne à changer, pneus faire le plein, quelqu'un qui soit pas très très bon, on a lui qui a que 73 d'énergie, mais il est vraiment bon partout, par contre il a 20 partout, c'est assez impressionnant. Sinon on a effectivement ouais, Elibi peut-être Elibi, cric arrière, est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui sont bons cric arrière, on a lui encore, on a lui éventuellement, on a même Farmer qui est tout à fait correct, lui le problème c'est qu'il est bon en cric avant, mais quand même on va le prendre à la place d'Elibi. Elibi pardon, let's go, parce qu'il est vraiment très très bon, donc du coup j'aurais peut-être pas dû renouveler le contrat d'Elbi, mais c'est pas très très grave. Cric avant d'ailleurs, on a quelqu'un qui a 70%, donc on peut peut-être mettre le nouveau, celui qu'on vient de mettre, hein. Genre Ibi, à la place d'Elibi, c'est une idée. Voilà, qui est fait, tout le reste ça fonctionne. Cric arrière, on a que entre guillemets 79, on peut voir s'il y a quelqu'un peut-être de meilleur. Il y aurait Boogman, mais on va lui laisser encore un petit peu de repos. Je pense pas qu'il y ait de gros pourcentage d'erreurs. C'est tout à fait négligeable. Donc, ça joue très bonne équipe d'arrêt au stand. Je suis assez content. On peut juste regarder encore un petit coup. Toi, non, parce que t'es pas bon dans un des crics. T'es bon que sur les trucs là, mais t'es pas bon au pneu. Donc, toi, on te vire. Toi, t'es bon au cric arrière. Pourquoi pas? On peut éventuellement te laisser là. Toi, bon, en pneu ferait. Pourquoi pas, toi par contre tu t'en vas. Voilà, très bien. Et on continue jusqu'à ce que les moteurs soient réparés. C'est le cas, on a déjà deux offres de sponsors, on verra quand on en a trois. Ici, donc, du coup, on veut améliorer à Donf cette transmission-là. En dehors de ça, les ailerons arrière, c'est clair. Et je pense que les suspensions, pour le moment, ça roule. Donc, allons de ce côté-là. On veut que ça se soit fait. Ouais, peut-être pas quand même comme ça. Laissons. Enfin, j'aimerais bien que ça se soit un petit peu monté aussi. On n'a pas besoin d'arriver à 100% avec ces trucs-là. Comme ça, ça devrait jouer, je pense. Ouais. Parce que théoriquement, là, on gagne. Mettons 12 divisé par 3, ça fait 4. 4 fois 9, ça fait 36. On va gagner une trentaine de pourcents. 79, 97, 97. Donc on peut attendre quelques jours, 5 ou 6, et puis enlever ces deux trucs-là, et puis se focaliser que là-dessus, et avec ça, je pense que ça va très bien.
On a fini deux nouveaux trucs, c'est intéressant, ça va aussi nous coûter de l'argent, on perd 2,8 millions maintenant, on a 3 sponsors, cela dit, et on espère avoir du niveau 5. On a du niveau 5 qui nous donne 3 à l'avance, 3 millions à l'avance et 400 000, je pense que ça ne se refuse pas. J'ai pas regardé les autres, j'aurais peut-être dû, mais bon, 400 000 c'est très bien, et 3 millions d'avance c'est très bien. Les fonds supplémentaires ont déjà été demandés. Pas de souci, on continue pour le moment. On aura bientôt notre conception qui sera terminée. C'est bien, on va pouvoir réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Je pense qu'on va aller encore hein, du côté des transmissions, honnêtement. Voilà, alors de ce côté-là, on n'aura certainement pas le temps d'améliorer ces transmissions. Bien que. 3 jours. On est à 13%. Va être un peu compliqué quand même. Les ailerons arrière, c'est bon. On peut éventuellement essayer. 13% divisé par 2, mettons 6% par truc, fois 3, 18%, mettons 15%. J'ai des doutes qu'on y arrive. Mais bon. Peut-être meilleur temps de se focaliser là-dessus pour le moment, d'être sûr que ça joue. Et puis en profiter pour améliorer un peu quand même les. Par exemple, de faire un truc comme ça, 15-25, comme ça, ce sera à peu près 100%, pas tout à fait. Puis ça, ce sera déjà bien amélioré aussi. Et puis on continuera. Voilà. Si on fait comme ça, on pourra même aller un peu. Être sûr que tout fonctionne. Voilà. Ça, on est sûr que tout est maxé de ces trucs-là qu'on prendra pour la prochaine course. Et puis pour la course d'après, on ira de ce côté-là. En ce qui concerne la conception, donc on est sur du 2619 en transmission. Continuez. Ok. On avait pris ça et ça. Et puis j'aimerais encore aller chercher ça. Voilà, 2684 pour 4,4 millions. C'est hyper cher. On a 2,4 millions pour combien de courses il nous reste? Malheureusement, on va devoir quitter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 courses. 13 fois 2,4 millions. C'est super pratique. Je vais juste le calculer, ça m'embête. Vraiment, j'ai pas envie de le calculer de tête, même si c'est pas autrement compliqué. Je vais quand même juste prendre ma calculatrice. C'est beaucoup plus simple, faut juste que je la trouve. Voilà, ces icônes qui changent de couleur tous les 2 jours. Donc 2,4 fois, on a dit 13 courses, ça nous fait 31,2 millions. Ok. Ouais, 31,2 millions, on peut se permettre d'utiliser 4 millions, honnêtement. Ouais, malheureusement, faut que je recommence. Ça et ça. Et on a 2 millions. Est-ce que ce serait pas plus intéressant pour nous d'aller chercher ça? 2689. 2684. Non, parce qu'il faudrait pouvoir aller. Ah, non, non. Parce qu'on perdrait celui-là, en fait. Du coup, c'est pas celui-là qu'on perd. Ouais. Bon, allons-y. Hein, c'est un très très bon composant, celui-là. On va en faire qu'un, je pense. Mais très bien. Et puis après, une fois que ça sera fait, je sais pas combien de temps il va prendre. 25 jours, quand même. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment. C'est vraiment compliqué. Après, il va falloir faire des moteurs. On n'aura vraiment pas le temps. Hein. Améliorer nos. Je vois pas quand, en fait. C'est un peu compliqué. On verra. Hein. On va essayer de réfléchir à ce qu'on fait la saison prochaine. Retrait du Grand Prix, le cap. Non, 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 non. En même temps, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Ouais, on s'en fout. J'ai rien contre, mais ça me dérange pas. Ok, ça a été voté contre. Très bien. Ça. Parfait, honnêtement, c'est cool. Un grand prix de plus. C'est plus d'argent utilisé, mais c'est aussi plus fun, quoi. Optimisation des performances terminée. Personnel de l'usine disponible. Très bien, pas de soucis. On va garder. Elle a toujours son problème de torticolis. Waouh, relou. Elle aurait été bien relou quand même, ce torticolis. Encore une semaine. Donc, pilote blessé, ouais, on ne laisse pas à domicile. Troisième place, j'y crois tout à fait. Ça, on va regarder. Du coup, ben, Patricia, tu vas prendre ça. Et Isabella, tu vas prendre ça. Malheureusement, et on n'a rien d'autre à toucher, on est d'accord. Non, effectivement. Et puis la prochaine fois, il faudra mettre cette transmission-là. Ce sera très très bien.
On dit qu'elle est meilleure. Ouais, elle est déjà bien meilleure quand même. Hein. Déjà bien, bien, bien meilleure. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant de se focaliser plutôt sur celle-là. Là. Mais bon, il fallait que celle-là soit bien parce que. Bon, vous me direz, ce sera juste une course. Ou deux. Ouais. Bref. Allons-y, comme ça. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est donc parti pour la mer Noire. Où il va falloir effectivement aller chercher un bon résultat. Ce serait vraiment bien. Je vous avoue que je serais un peu déçu si on n'y arrivait pas, mais il n'y a pas de raison, hein. Tous les grands prix qui mettaient en avant des pièces pour lesquelles on est plutôt bon, on les a passablement survolés jusque-là. Donc je vois pas trop de raisons qui feraient qu'on n'y arrive pas cette fois-ci non plus. Alors, Patricia Eleonzio. C'est 20 tours, hein, je rappelle. Mer Noire, circuit F, non, on est sur Mer Noire, circuit A. Mer Noire, circuit A, saison 13, tu t'en vas, et saison 14, là, voilà. Ici, ouais, tranquille, hein, évidemment. Il fait quoi comme temps? Il pleut pour le moment pas, donc il faut qu'on se lâche avec les pneus tendres tant qu'on le peut. On va dire ça comme ça. 14, très bien, là, c'est juste. Ok, tout va bien. Parfait, let's go. Et puis on va vous laisser tourner, hein, honnêtement, vous y allez. Réglage qualif, 3 tours, pneus secs. Puisque tant que les pneus secs peuvent être utilisés, il faut les utiliser sans forcément interrompre nos pilotes. On va quand même regarder un petit peu ce que peut nous faire Patricia, ça m'intéresse. Je pense que j'ai pas mis autant de tours pour elle, ce qui est pas très très malin du coup. C'est un peu dommage. Mais enfin bon, tant pis. Au pire des cas, on la fera quand même repartir. Puis ça permettra de voir un peu ce qu'elle peut faire comme tour rapide. C'est toujours intéressant à regarder. Voilà, c'est parti. Bon, là, la première à partir hein, pour le coup, parce qu'on est parti très très vite. Donc c'est la première après Farah à pouvoir faire un tour rapide. Donc elle va évidemment faire le meilleur tour. Ce qui sera intéressant, c'est de voir par rapport aux autres après ce que ça donne. On a déjà quelques-uns, toujours le meilleur premier segment. Pour le moment, c'est plutôt positif. Meilleur deuxième segment également. Et finalement, elle finit première, bien sûr, devant Farah. Mais aussi Daniels. Donc, ouais, ça commence à être pas mal. On a Haydar Pasić qui fait mieux qu'elle sur le premier segment. Voilà, mais moins bien sur le deuxième. Patricia nous refait un tour d'entrée. Alors tu repars tout de suite sur ça avec bon 3 tours, je suis pas sûr que ça vaille la peine. Enfin, si on repart sur 3 tours, on s'en fout. Sur ces pneus-là, oui. Et puis alors là on est sur du bon. On va passer sur du. Ouais, on va passer comme ça. Ici t'es sur du bon, on va aller comme ça. Ici t'es sur du excellent, on va donc revenir ici. Et encore un petit coup là. Et c'est parfait. Let's go! Et puis maintenant, on va les laisser tourner un petit peu, honnêtement. On va prendre un peu de recul, les laisser tourner jusqu'à ce qu'on ait maxé les pneus tendres. Et puis après, on va partir sur des pneus inter. Et puis finalement, il faudra mettre des pneus wet à la fin, si on le peut. Il faudra voir si c'est intéressant pour nous ou pas. On a Farah qui est sur son tour d'entrée. Il est entré, très bien. Alors, il faut qu'il reparte sur des pneus secs aussi. Pendant peut-être que quelques temps. Les réglages course, par contre, ça pose pas de problème. Ça sert à rien de prendre 6 tours, par contre 2 tours suffiront amplement, je l'espère. Les réglages de voiture ici, t'es sur du excellent, t'es sur du très bon là, donc on va aller comme ça, et t'es sur du très bon là, donc on va aller comme ça, c'est très bien. Let's go! Et on tourne à vitesse 12, voilà, alors vous revenez les deux, Kaluza et Farah. Vraiment de la peine à monter ses pneus secs, est-ce qu'on a d'autres moments? Non, non, hein, c'est le dernier moment où on peut monter ses pneus secs. Avance pas, mais ça n'avance pas, c'est terrible. Continue avec 2 tours. Non, mais toi, t'étais juste. Ah, c'est bête ça. Bref, ok, d'accord. Excellent, excellent. Ok, très bon et très bon, c'est resté. Et là, on allait du mauvais côté, par contre. Là, donc on va aller comme ça. Encore un petit coup comme ça. Puis là, ça va bouger aussi un tout petit peu. On tente du coup ça. Tu peux nous refaire un 2 tours, vas-y. Et Patricia qui rentre maintenant. Alors, série de tours, tu nous fais tes réglages course, tu nous fais bah, toi aussi 2 tours, ça rien de toute façon. Tu restes sur des pneus secs. Ici, on est alors on est faux sur tous les points à part le dernier où on n'a pas bougé.
Donc ici, il faut aller dans l'autre sens, pas un souci, on va se mettre comme ça, je pense que c'est pas mal. Ici, il faut aller dans l'autre sens complet, donc on va se mettre comme ça. Et ici, tu reviens sur le excellent qui était là, parfait. À mon avis, t'es très très bien comme ça, let's go. Voilà, tais-toi, merci. Et puis là, il faut passer sur des, faudrait passer sur des pneus wet. De la peine, hein. C'est terrible. Voilà, maintenant c'est bon. Ok. Alors du coup, je pense pas que s'entraîner sur des pneus wet ait un quelconque intérêt. On va essayer de s'entraîner sur des pneus inter, même s'il y aura un moment où on va avoir de la peine. Hein, c'est vraiment, les conditions étaient vraiment pas idéales. J'ai rien touché à ces réglages. Bon, c'est pas très très grave, je crois qu'ils étaient très très bien. Là, on va juste quand même voir réglage course, 6 tours, choix de pneus inter, réglage. T'es sur excellent, très bon. Alors le très bon, t'étais sur bon. Ok, je pense qu'on peut aller un petit coup comme ça. Et puis on fait encore un petit coup comme ça. Et c'est parfait. Let's go. Tournez un petit peu sur vos pneus inter, qui vont avoir de la peine aussi à prendre malheureusement à cause de ces quelques tours. J'espère qu'on aura quand même niveau 3, ce serait bien. On va voir tout ça. Ça semble aller encore. Il me semble que ça monte. Il y a moins de problèmes qu'avec les pneus secs quand il pleuvait un petit peu. Et puis là, ça va se résorber un petit peu. C'est très très bien. Voilà. Nickel. On devrait y arriver normalement. Hein, à moins qu'il y ait un problème de nombre de tours. Mais sinon, ça devrait juste jouer. On va arriver niveau 3 avec les pneus inter. On n'aura pas amélioré les pneus wet. Mais je pense pas que ce soit une nécessité absolue. Et Farah, j'ai pas amélioré complètement les réglages, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses possibles. On y réfléchira encore au départ des qualifs. Mais bon, d'un point de vue des connaissances actives, on a plus ou moins ce qu'on voulait. Ça aurait été compliqué, mais ça joue. Et puis, qualif, d'accord. Alors, qualif, ouais, il y aura un tout petit moment où ce sera intéressant. Faudrait qu'on finisse, qu'on fasse notre tour. Qui commence aux alentours de la minute 3, c'est ça? Qui commence aux alentours de la minute 4, non, qui commence aux alentours de la minute 4 et demi 5. Ok, donc on va partir sur tendre et qualif. Ok, on va évidemment partir une seule fois, ce sera au milieu. Il va falloir partir aux alentours de. Il faut que notre tour rapide commence aux alentours de 5 minutes. 5,45 dans ces eaux-là. Hein. Donc là, les réglages, on va peut-être juste les sauver ici. Ce sera Mer Noire, Kaloudza, saison 15. C'est juste. Et ici, tu es à quoi sur tes réglages? 97%. On va accepter, on va pas faire lèche. Ouais, c'est bon, ok. Très bien, alors on va comme ça et puis alors on va réfléchir. Le tour il est à 1,13, donc on va calculer 1,20. Donc il faudrait qu'on parte aux alentours de 6 minutes. Donc il faudrait qu'on commence le tour là, le tour de chauffe aux alentours de 6 minutes. Donc on va partir aux alentours de 6 minutes 20, je pense, pour pouvoir essayer de faire ce tour. C'est parti. Il y a encore pas mal d'eau sur la piste. En théorie, le temps du tour rapide, ça devrait partir. On devrait commencer notre tour aux alentours de 5 minutes, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, c'est très bien. Alors, on est sur du parfait surchauffe, c'est cool. Très peu d'eau sur la piste quand on commence, il y aura même un peu d'adhérence. Je pense qu'on est juste, on est exactement là où il faut. Je pense qu'on a été parfait sur notre gestion du tour. Il va recommencer à pleuvoir dans quelques temps, mais pour le moment, on fait vraiment le tour parfait, à mon avis. Et personne ne va pouvoir faire mieux. Si personne fait mieux maintenant, personne ne pourra faire mieux à terme. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. On a vraiment pris la bonne fenêtre. Et ce sera une pole et une deuxième place pour nous, à mon avis, sur cette course. Sans souci. Très, très bien. Très, très bien géré. Je suis content.
hein, puisque maintenant c'est plus possible de faire mieux que ce qu'on a fait vu qu'il n'y a plus aucune adhérence. Donc même tous ceux qui partent maintenant avec des pneus secs, vous oubliez les gars, on vous a sneaké. Très bien, très 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 bien. On va y aller vitesse 12, hein. Ça, il n'y a pas tellement de suspense, il faudrait vraiment quelque chose d'exceptionnel pour que on se fasse passer devant, je serais extrêmement surpris si ça arrivait. Mais ça ne devrait pas être le cas. On va finir donc premier, deuxième, comme on le disait. On a quand même nos adversaires directs, c'est-à-dire Daniel, Scabardine, De Steinmann qui sont là. Les. Alors, Vuozzo et Darpazic, pardon, sont. Darpazic sont loin, un peu plus loin, et ça, c'est très très bien. Par contre, on a quand même Daniels et Kabardine qui sont relativement proches, ce qui n'est pas autrement surprenant. On gagne donc nos 500 000, mais on va aussi payer un petit peu pour Patricia parce qu'elle a fini première. Bon, c'est pas grave. Pas de pluie là pour le coup. 20 tours. Donc on va partir tout de suite. Pneu tendre, réglage course. Pneu tendre, réglage course aussi. Très bien. Les réglages voiture sont tout à fait justes. On va peut-être juste regarder. Combien de temps vous faites avec vos pneus? Vous faites 8 tours. Ouais, donc c'est tranquille, hein, il n'y a pas de raison de se poser trop de questions, même s'il va faire relativement chaud, mais ça va. En termes de carburant, il y en a une qui va faire 6 tours pour commencer, ce sera Patricia, et une qui va faire 7 tours pour commencer, donc qui est a priori juste, c'est Isabella. C'est parfait, vous attaquez vos pneus pour commencer, après on calmera les choses, particulièrement chez Isabella, mais je pense, comme d'habitude, on finira fort sur nos pneus, on ne va pas attaquer nos pneus très 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 fort pendant 5 tours. Ce qu'on fera, c'est qu'on attaque nos pneus très très fort au début pour les faire chauffer, mais aussi pour essayer de prendre, vous conserver, prendre peut-être encore plus d'avance si possible. Waouh, ok, on s'est déjà fait enrhumer par les deux Steinmann. Bah voilà, c'est fait, merci. Extrêmement décevant comme départ, mais c'est pas grave. On revient, on est à la lutte en tout cas, mais j'espérais pouvoir justement en attaquant un petit peu, parce qu'eux vont attaquer comme des sonnets pendant des plombes, donc moi j'espérais justement pouvoir pas prendre trop de retard au début en attaquant. Là, on va tout de suite, enfin, on va assez vite arrêter d'attaquer nos pneus, nous. Et donc, eux, je sais qu'ils vont continuer. Donc, à ce moment-là, on va perdre un petit peu de temps par rapport à eux. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en récupérer un petit peu avant. Sur ce qui est, pour ce qui est de l'essence, par contre, on est tranquille. De ce côté-là, je ne me fais pas tellement de soucis. 4 tours 32, 5 tours 21 encore. On peut attaquer encore un tout petit peu. Faut quand même faire un tout petit peu gaffe, mais il va rester 3 tours à faire pour Patricia et 4 pour Isabella. Donc ça devrait juste jouer, on va calmer les choses, je dirais maintenant, et maintenant aussi, voilà, plus que 3 tours, Kaloudza encore un tour, et après tu attaques tes pneus comme une guedin, Irons encore 2 tours, et tu attaques tes pneus aussi, on a les Steinmann qui se sont bien bien calmés, particulièrement sur les pneus, on devrait pouvoir aller les rechercher, je pense, j'espère. En tout cas, Irons devrait le pouvoir. 2 tours pour Patricia. Tu peux attaquer ça, tu peux attaquer ça, clairement. Et puis là, tu y vas et tu essaies de prendre toute l'avance que tu peux prendre. Très bien. Pour le moment, Isabella qui revient un petit peu sur les deux autres. C'est nickel. Je pense pas que Isabella pourra vraiment attaquer ses pneus. Par contre, ça c'est l'autre truc. Tu peux attaquer ça, je pense, sans souci. Par contre, voilà, un tour à Patricia qui aura un petit peu de problème d'essence sur la fin. C'est pas très grave, elle sera sur sa lancée. On a 14 tours à faire. Il faudrait que tu prennes 7 tours d'essence, puis ce serait pas mal. Hein, prends-nous 7 tours d'essence. Vous prendrez les deux 7 tours d'essence, a priori. Et ça ira nickel. Tu feras 7 tours dessus. Ici, il n'y a pas de souci. Les suspensions, peut-être. Non, c'est trop cher en termes de temps. Et tu nous fais un normal. Et puis c'est très bien. Essaye de prendre toute l'avance que tu peux. Isabella, pour le moment, on calme un petit peu les. Enfin, on n'attaque pas particulièrement les pneus. Ce serait bien qu'elle revienne quand même un petit peu sur. C'est qui c'est? Daniels. Mais elle n'y arrive pas pour le moment. Elle est vraiment limite, hein, mais elle a de la peine. Allez. Voilà, elle va passer devant pour son dernier tour. Pour lequel elle va pouvoir aussi attaquer ses pneus, essayer de récupérer un petit peu. On va aussi avoir un peu d'essence en moins. Donc on fait aussi 7 tours. Voilà. Pourquoi on nous dit qu'elle fait 14 tours encore? Elle ne devrait pas faire 14 tours encore, elle devrait en faire 13, elle. Je pense que ça n'a pas considéré encore qu'elle était passée. On voit qu'on gagne pas mal de temps. Ouais, elle n'est juste pas passée la ligne en fait, c'est pour ça. D'accord, je comprends. Pas de soucis. Et toi, tu sors maintenant, donc on va tout de suite te dire de calmer ce que tu avais mis là. Hein, on va pas exagérer pour le moment, on exagérera par la suite.
J'ai pas regardé, mais a priori, il n'y a pas de pluie du tout, il n'y a pas de raison. Hein. On est sorti 11e, c'est très bien. On est toujours les premiers en ce qui concerne ceux qui sont déjà arrêtés. On a Kabardine qui est juste derrière nous, mais on est quand même relativement ok de ce côté-là. Toujours devant, on va dire. Ok, on est troisième et Ions s'est fait passer par Kabardins. Mais Daniels a pas mal de retard, je sais pas pourquoi. Peut-être simplement. Ouais, peut-être que c'est simplement. Enfin, c'est pas tant de retard que ça, c'est juste qu'elle était. Ouais, non, elle revient même sur Ions. Donc, ma foi, c'était à prévoir. Ok, je pense qu'Alouza, tu peux attaquer un tout petit peu ça, il n'y a pas de souci. Toi, pas encore, Ions. Et effectivement, on a Daniels qui nous colle au derche. Je pense qu'elle va nous passer devant. J'imagine qu'elle est en train d'agresser. Ouais, ils sont tous en train d'agresser. Nous, on n'est plus conservateurs sur nos ressources pour le moment. On attaquera sur la fin de nos segments. Je préfère faire ça, honnêtement. Là, toi, tu peux attaquer un petit peu ici quand même. De nouveau, Kabardine et Daniels entre nos deux pilotes. C'est pas idéal. Voilà, on continue pour le moment. Kaluza tranquille, hein, qui a plus de 3 secondes d'avance, 3 secondes et demie, c'est bien. Elle en reprend a priori, en tout cas elle garde ses distances. Calme un petit peu les choses comme ça quand même pour le moment. Toi, je pense que tu peux encore faire un tour en attaquant un tout petit peu. On a Vuozzo derrière, alors ça j'aime pas. Si on peut vraiment éviter de se faire en plus dépasser par les Ferrari, enfin les Scuderia, pardon, les, pas Ferrari du tout, hein, aucun rapport, eh bien ce serait vraiment pas mal. Ok, pour le moment on calme, on reste toujours. Ouais, voilà, on s'est fait passer devant par Vuozzo. C'est nul. Mais bon, on est obligé, ils sont vraiment obligés de conserver un peu plus nos ressources quand même que ce qu'on pouvait l'année passée, particulièrement l'essence. Les pneus, on va pouvoir attaquer maintenant avec Patricia, mais je pense que si j'attaquais un tour avant, c'était un petit peu limite. Donc on va aller comme ça. Ici, il te restera un petit peu d'essence. Pour les 7 derniers tours, donc tu nous mets 6 tours ici. Non, je pense qu'on peut les faire, franchement, je pense qu'on peut les faire comme ça. Tentin rapide, pourquoi pas. Et Isabella, ok, tu continues à attaquer un petit peu. Et là, toi, tu peux attaquer les pneus, par contre, sans souci, vas-y. Et puis, essaye de revenir un petit peu sur les deux. C'est ce que tu étais en train de faire. Hein. Vuozzo qui est déjà sorti puis qui part sur des pneus hard. Isabella qui prend la troisième place. C'est très très bien. Isabella qui continue et qui va pouvoir sortir maintenant avec ouais, quand même des problèmes d'essence. Donc, on va calmer les choses de ce côté-là. Ok, de ce côté-là, ça joue. Tu prends de nouveaux pneus. Tu vas nous prendre 5 tours comme ça. C'est très bien. Ici, tout roule. Tu nous tentes aussi. Non, tu fais un équilibré. Non, tu tentes un rapide. On est vraiment, vraiment à la lutte. Donc, il faut essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre. On a peu de chances que ça rate. Hein. 23% de chance, c'est rien. Ici, on cale un petit peu les choses sur Calza qui doit faire quand même 7 tours encore. On en a qui s'arrêtent pour réparer. Alors, espérons que ce soit peut-être le cas de Daniels et de Kabardine. On verra. Kabardine qui est déjà sorti, qui a 7 secondes de retard. 6 secondes de retard, pardon. Espérons que Isabella arrive à récupérer un petit peu. Donc, son arrêt au stand a été bien. Fonctionner, a bien fonctionné, c'est bien. Et Isabella ressort troisième, juste derrière Kabardine. C'est bien par rapport à Daniel, c'est Vuozzo qui lui passe devant. Ok, bon, mais ça, c'est pas possible, il est sur des pneus hard. Bon, il est en train de les ultra-attaquer, donc ça explique aussi un petit peu. Toi, tu vas attaquer un tout petit peu ton essence. Et il faudrait vraiment qu'Ions revienne sur Vuozzo. Ça devrait être faisable à la fin, hein, franchement. Ça devrait être faisable à la fin. Ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Les pneus, elle pourra les attaquer bien correctement sur les 2 derniers tours, en tout cas, en ce qui concerne Isabella. Et j'espère là qu'elle pourra revenir. Il faut qu'elle revienne sur Daniels et Vuozzo, parce que maintenant Daniels va passer devant et prend énormément d'avance, plus d'une seconde maintenant. Voilà, comme toujours, le même dilemme, hein, attaquer maintenant ou attaquer plus tard. Pour le moment, on calme un petit peu les choses. Là aussi. Et puis on va y aller gentiment. Bon, Isabella, te restera 3 tours. Vas-y. Et toi, il te reste 2 tours, donc on calme un petit peu les choses. On attaquera quand il te restera effectivement plus que 2 tours. On calme ici sur l'essence. Par contre, les pneus, on attaque et il faut vraiment récupérer sur Vuozzo particulièrement. Je pense que ça devrait être franchement faisable. Ici, ok, on y va, on attaque, pas de souci. Ici, on continue à attaquer un petit peu. Le prochain tour, on attaquera un peu plus violemment. Quelque chose qui cloche avec les suspensions. On a Ions qui est parti quatrième parce que Vuozzo s'est arrêté. C'est quand même bizarre.
Allez, Irons, il faut que tu reviennes. Je pense, je me fais pas de soucis pour Patricia qui va gagner ce Grand Prix. Elle a beaucoup d'avance. Il faut vraiment qu'Irons revienne maintenant sur la troisième place. Ce serait vraiment très très bien. J'ai pas envie que Cavardine et Daniels nous passent devant. Allez, allez, allez. Ça va pas le faire. Franchement, ça va pas le faire. On est trop loin. Non, ça va pas le faire. Très décevant. Très 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 décevant. Mais c'est pas grave, on a les points de la pole. On a quand même une première et une quatrième place. C'est très bien. Faut voir si Cabardine et Daniels ont fait. Je sais plus exactement comment est la répartition des points. En plus, elle a changé dernièrement, donc on sait jamais. Mais a priori. Premier et quatrième devraient faire autant de points que deuxième et troisième. Sachant qu'on a eu la pole, même si on n'a pas le record du tour, on devrait quand même être premier. Vu qu'on a gagné le Grand Prix. Mais bon, voilà. En même temps, voilà quoi. La dernière fois, on aurait dû être champion du monde aussi, et ça a été Steinman. Hein. Ok, d'accord. Et bon, inspection, voilà. Pas de problème de ce côté-là, a priori. C'est effectivement eux qui font le point, mais bon, on est bien devant quand même. Hein. Ils font 12, on fait 15 points. Donc, pas de problème par rapport à ça. On prend même un petit peu d'avance au championnat du monde, c'est très très bien. Et puis, du coup, première du championnat du monde, Patricia Kaloz avec 31 points. Deuxième, Isabella Irons. Je rappelle que j'aimerais bien qu'Isabella gagne le championnat. On lui donnera les meilleures voitures quand elle aura plus de torticolis. Ça devrait être le cas la semaine prochaine, normalement, ce qui sera très très bien. Vous avez vu qu'on a quoi, 20 points d'avance, j'ai vu, il me semble, au classement. C'est très très bien. Très très bien. Espérons qu'on arrive à tenir ça. Hein, on a eu des courses quand même, tu dirais, sur les 4 courses, on a eu 3 courses. On était vraiment. C'était vraiment nos pièces hein, qui étaient mises en valeur. Donc espérons qu'on arrive à garder tout ça. On va regagner un petit peu de satisfaction avec le président. On est maintenant à 80%. Patricia continue de s'effriter un petit peu. C'est pas grave. On perd quand même 2,5 millions. Puisqu'on a gagné les deux. Donc on a eu des gros bonus pour Patricia et son team. Donc c'est pas top parce qu'on perd plus que ce qu'on a calculé de base. Donc c'est pas très très bon. Hein, donc il faut essayer de se souvenir de ça, de ces 2,5 millions plutôt, à tenir en compte, plutôt que ce qu'on nous affiche qui est 2,3 millions, 2,4 millions si je ne me trompe pas. Donc faire un petit peu attention. La prochaine course, ce sera à Munich. Une course qui met en avant l'accélération, de nouveau très bien. Par contre, les deux autres, ils sont très mauvais chez nous. Ça va être compliqué comme course, beaucoup plus compliqué. Du coup, on a de 20 tours de 3 km avec des pneus plutôt durs et une usure des pneus très faible. On verra tout ça. Mais on va déjà quand même juste regarder les messages, entretien. Non, votre zoo est très bon. C'est un manque de chance, je veux dire Cosman pilote très bien parce qu'il m'intéresse. Hein. Donc, il est très très bon. On avait hésité à l'acheter avant. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Il a une valeur commerciale de 100. C'est augmenté par le champion de stock car, le champion de moto. Mais ça n'a pas l'air d'être de partir. Ça c'est bon. Et film des documentaires. Ah ça par contre, ça va partir dans 8 semaines. Ok, mais de toute façon, c'est pas, on va pas se poser la question maintenant, ce sera pour remplacer Patricia Kaluza, donc pourquoi pas, ce serait pas mal, ce serait cher, mais il faut reconnaître que non seulement ça nous apporterait un pilote exceptionnel, mais en plus, ça enlèverait un pilote exceptionnel à notre concurrence, donc ça pourrait être tout à fait intéressant pour nous d'aller faire un move dans ce sens-là. On verra, de toute façon, ce sera de loin pas maintenant qu'on va se poser la question. On ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Il peut développer une rivalité avec Isabella Irons, auquel cas, ben voilà, donc on verra pour le reste. Kaluza remporte donc le Grand Prix, très bien, encore une fois, encore une victoire, et si on prend notre classement, on est ouais, effectivement 20 points d'avance, c'est très bien, il faut juste se rappeler, comme je disais, que les courses qui nous avantageaient vont se faire de moins en moins, enfin, ça va être de moins en moins marqué, hein. Là, ça va être intéressant aussi, là, par exemple, il y a de la décélération, au Cap, il y a de la décélération, à Phoenix, il y a des suspensions. Aux Ardennes, c'est très bien aussi. Il faut juste qu'on améliore notre moteur. Hein. C'est à peu près ouais, 1000 ans, en fait. Ce serait ouais, même avant. Ouais, il faut vite qu'on commence à s'attaquer au moteur pour avoir vraiment le meilleur moteur. Et si on arrive à avoir le meilleur moteur ou un des meilleurs moteurs, ça deviendra intéressant. Sinon, là aussi, décélération. Là, c'est bien.
Là, on aura des suspensions, ici de la décélération, enfin, etc., etc. Donc, les courses qui vont comme ça nous mettre en avant, il n'y en aura pas autant. Hein. Ce ne sera pas tout le temps le cas, donc il faudra quand même faire bien gaffe. Et c'est une très très bonne chose que d'avoir pris les points qu'on a pris jusque-là. Mais bon, on verra tout ça dans la suite de la saison. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.